Michel a bête à Kiyo, hein. Allô? Bonjour. Il n'habite pas ici. Aucune idée. Tiens, chérie, as-tu vu ma nouvelle robe? N'a pas la robe, Nayut. Vais-je bouffer ta robe? J'ai faim. Tu sais bien que je n'aime pas faire à manger. Écoute, c'est pas drôle lorsqu'on vient ce soir avec la dent et qu'il n'y a rien à bouffer. Mais fais comme les anciens colons d'Afrique. Prends-toi un domestique. Ah, Moussa. Moussampa Wamilani, Wamwaku, fils de martyr de l'indépendance. Sacré vieux Moussa, toujours les mots pour rire. Et bien sûr, toujours tiré à quatre épingles. Primum vivere. Deinde philosophari. Tu sais, les femmes haïtiennes ont une réputation d'excellentes cuisinières. Avant, moi j'étais comme un chimo. Avant, moi j'étais.
Ah non, vieux Moussa, tu exagères. Billahi wallahi. Mais j'avais une femme haïtienne. Oui. Au nom de Dieu. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et tu n'as pas. Mia, j'ai très faim. J'ai la dent, moi aussi. Malheureusement, comme d'habitude, il n'y a rien. Petit Oyo, Bozali, Kokoufela, ces filles nées ici, c'est bon, on n'a rien. Hé, hey, vieux soulard, de quoi te mêles-tu? Hé, hey, petit, Bangaga Bakulutu. Mais, du respect pour les personnes âgées, s'il te plaît. Toi, un aîné, quel clochard. Mon Moussa, Molo Wamulumba. Chef coutumier, exilé volontaire. Mais ces garces, nés ici, ne respectent pas les gens. Elles sont tout simplement complexées. Elles se croient plus blanches que les blanches. Mais essuie, yo wapi. Allez, fiche-moi la paix. Je vous remercie de votre hospitalité. Mais fréquenter un idiot comme ça n'a pas de bon sens. De bon sens, dit-on. Et puis quoi est-ce et que tu non penses? De bon sens. Mais penses-tu m'apprendre quelque chose? Je n'ai pas la prétention. Es-tu déjà allé à l'université? L'université? Parlons-en de l'université. Connais-tu Michael Jackson? Céline Dion? Pedro Martinez? Sont-ils allés à l'université? Écoute, vieux. Pardonne-lui, elle a perdu la boule. Quoi? Mais vous, qui se ressemble, ça sent, vous êtes tous les deux pareils. Comment? J'avais une femme haïtienne. Elle passait 8 heures du temps pour faire la bonne bouffe. Elle prenait son temps pour me faire la bonne bouffe. 8 heures. Moussa, veux-tu un café? Non, merci. Elle a encore oublié de débrancher la bouilloire. On a failli 2 ou 3 fois déclencher un incendie, tu sais. Bien sûr. Ça fait très longtemps que tu es ici. Et pourtant, à te voir agir, on dirait que tu sors tout droit de Mbujimayi.
t'apprêtes à sortir? J'en ai ras-le-bol de vos balivernes. Ah oui, c'est ça. C'est ça, casse-toi, fiche-moi la paix, j'ai besoin d'air. Ah, tu le prends ainsi? Eh oui. Alors j'ai changé d'idée, je ne sors plus. Tiens, tiens, on va voir. Petite peste, faire ça à moi, docteur en tautologie, tautologue mon cul, tu me le payeras. Mon oncle Soupou, tu n'es même pas un homme. Sais-tu que j'ai eu 15 gosses avec 5 gonzesses blanches? Mais quelle blanche? Dis-moi avec qui tu sors, je te dirai qui tu es. Des blanches, des blanches. Des dodus, des grassettes, des ngungoulous, des chômeuses sexuelles en puissance. Aucun blanc n'en veut. Nako, Nako, Michel a bête à Kiyo, hein. Michel t'a démoli le portrait il y a un an. Doudou, comment le sais-tu? Tout quoi que, Filimi, toi aussi mon ami. Tu m'as trahi. Je suis innocent, hein. Pense Pilate. Montréal est grand, hein, tu sais. Quand c'est trop, on s'en va. Like my childhood when it's my heart die. And even though we both came from the same places, the money and the fame made us all change places. How could it be through the misery that came to pass? The hard times make a true friend afraid to ask. I'm gonna see the babe, let's go. Bien que Pépé n'aime pas te voir ici. Oh, je faisais tout juste passer. Lors de tes passages, tu nous dérobes quelque chose. Et alors? Et alors? Je n'ai pas envie de me retrouver à la rue. La rue? Pourquoi la rue? Il y a plein de mecs qui te courraient après. Je n'ai pas envie de me retrouver à la rue. Et puis d'ailleurs, ça ne me tente pas de retourner chez nous. Alors? Chez nous, c'est plus chez toi. Et j'ai pas envie de partager ma chambre. Notre chambre. C'était d'abord notre chambre. Avant la fugue de maman. D'ailleurs, tu n'y es presque jamais. Ouais, parlons-en de maman. Écoute, ça n'a pas été facile pour nous tous. Hein. Et la plupart des couples africains qui immigrent ici ont tous des problèmes. Parce que les femmes veulent toutes être indépendantes, souvent au détriment des enfants. Tu vois ce que je suis devenue? Vagabonde, voleuse, droguée, et j'en passe. J'incarne un mal. Ne dis pas ça. Je suis à nouveau fauchée. Mais je t'ai dépannée il y a quelques jours.
Tu connais mon vice? Arrête de prendre cette merde. Et puis ça ne fera pas revenir maman. Et papa, il s'est remarié. Avec cette poufiasse qui ne peut nous blairer, ouais. Je sais. On dirait que t'es pas heureuse. On dirait que t'as versé des larmes. Bon, mais ça, c'est mon problème. Ok? Alors, dépêche-toi de déguerpir. Je veux pas qu'il te trouve ici. Alors, Aboul? Quoi? L'oseille. L'oseille, l'oseille. Le fric, quoi. Mosolo, Zimbu, Dimi. Tiens, voilà 200 $. C'est tout ce que j'ai. T'en aurais pas un peu plus? C'est tout ce que j'ai. Pépé et moi, on s'est fâchés ces jours-ci, alors... Si t'en as marre, refile-le-moi. Hé, hey, mais il s'agit pas d'une paire de chaussures, c'est mon homme! Et jalouse en plus. Si ça se trouve, il devrait pas être si méchant que ça. Je sais comment les mater, moi, les chiens. Mais où tu vas avec ça? Mais où tu vas avec ça? Oh, wow! Bonté divine, elle est partie avec ça. Yo, on m'a saigné, docteur en tautologie. Madame. Mademoiselle, ça va? Oui. Je nomme. Totus longus, spécialiste en tout. Musampa wa maluti wa mamu, mwana ya Congo. Bienvenue à la Payotte, qu'est-ce que je vous sers? Macaco. Ne le prenez pas au sérieux. Servez-nous plutôt des maboquets et de la chicouane. N'ai-je pas le droit de manger comme je veux? Où est la liberté? Hey, bébé. Obéis.
sème les vents, récolte la tempête. La tempête, mon cul! Elle est allée où, ta blonde? Elle est dans notre chambre, elle se repose. Tu n'aurais pas 100 dollars à me passer? 100 dollars? C'est une fortune. Où trouver 100 dollars? Ça fait rien. Je vais me taper des mecs. C'est ça? Trouve-toi un gigolo comme ta sœur. Là, tu te trompes. Lui, c'est pas un gigolo et Maloba est plus avec lui. Il est où alors? Dans la nature. Et t'en auras des nouvelles un de ces quatre. Voici pour toi un chèque de 100 $ et fiche-nous la paix! Mais où tu étais ces jours-ci, bébé? Bébé, je suis enceinte de toi. J'attends les quadruplés. Ouais. Bébé, I'm also pregnant of you. Bébé. Estoy embarazada. Pepe, voici ton fils. Ça fait un an. Oh mon Dieu! Pepe! Bon, Pépé, mais c'est assez. Je te laisse à toi-même. Adieu, faucheton. Pépé Wani. Tu cherches, trouve. Pépé Wani. Tumpakutute. Ça, c'est du poto-poto. C'est du potonnage. Désormais, je t'appellerai 7 d'un coup. Vous vous croyez en Afrique ici? Eh bien, qui vivra verra. Et rira bien qui rira le dernier. J'attends un gros chèque. Attendez un instant, madame, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est moi-même. Je sais. Bien, monsieur. Allô? Oui. Bien, madame. Au revoir.
Hydro, Bell, câble, ça n'en finit plus. Votre conduite est inadmissible. Vous n'arrêtez pas de vous battre, puis vous semez les mois dans le quartier. Tant que vous, monsieur Macacou. Je m'appelle pas monsieur Macaco. Je m'appelle monsieur Moukoko. S'il vous plaît, monsieur l'agent. Moukaku, vous devriez avoir plus d'autorité sur votre fille. C'est une vraie peste. Moukaku, soit. Moukaku. Je fais mon possible. C'est la faute à 911. Le 911? Quand elles étaient plus jeunes, chaque fois que mon mari et leur mère voulaient les corriger, elles appelaient le 911. Elles étaient? Elles sont plusieurs? Elles sont deux. L'autre, Maloba, ne vit plus les ici. Là, vous allez la revoir bientôt. Puisque son petit ami, son chum, l'a viré. Ce n'est pas vrai. Elle s'est mise au vert, je vous dis. Et puis, qui va à la chasse faire sa place? Et voilà l'Amérique. On est venu ici pour chercher le bonheur. Et nous voici maintenant dans de beaux draps. Et surtout les couples africains. C'est pire que Hiroshima. Vous devez me suivre au poste. Allez, immédiatement, plus vite. Bon, bon, allons-y. Je vous suis. Mais appelle la police! Ton bébé. Dis plutôt au secours. Au secours! Vous venez pour le loyer? C'est bien ça. Mon mari va s'impatienter. Vous avez l'argent? Non, ma jolie. Il n'aimera pas beaucoup, beaucoup ça, monsieur Parjeur. Sans blague. Il peut être très désagréable des fois. C'est un ancien militaire. Il a peut-être fait la guerre des Corées, ça je sais. Mais nous aussi, on a fait la guerre. Dans les maquis. Décidez-vous, là. Dites à votre patron d'aller se faire foutre. Oui. C'est un bon endroit, qu'est-ce que c'est? Bonjour, Mélanie. Comment ça va? Bonjour. Mais t'en fais une tête. Sont cons, ces gens-là. Quels gens? Les deux Africains. Tu veux dire l'Africain? Non, ils sont deux maintenant. Il s'est marié. Il y a quelqu'un d'autre avec lui. Il y en a un qui m'a envoyé promener, puis l'autre, il m'a insulté. Ah, ben. Paye-moi-en à d'autres pour voir. Tu calmes, mon jeune. Mamita, ça va bien? Oui, toi? Oui. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que tu es. Ça va être tellement, là, je peux pas me promener à voir, mais ça va bien. Hey, salut Mélanie, ça va? Ça va. Allô, Pito, comment ça va? Ouais, ça va, ça va. T'as vraiment un air enterrement. C'est le négro. Mais quel négro? Le pourri. Mais quel pourri? Le locataire. Il ne veut pas payer. Ah, sûrement pas, papa. C'est pas un idiot, en tout cas, ce qu'il paraît. Puis c'est pas un voyou non plus. Comment tu sais ça? Ah, comme ça. J'ai une petite antenne. N'est-ce pas, Mélanie? J'espère, parce que sinon... Non. Bang! Jacques, tu me fais honte! Viens m'expliquer, papa, pendant que je mange un sandwich. C'est pas ton jour de chance, hein? Alors, comment ça va? Super bien, et toi? Ça va. Enfin! Enfin, me voici à Montréal. C'est plein d'escaliers par ici, hein? En effet, c'est tout à fait pittoresque. De toute façon, je suis juste de passage. Moi, c'est le business, les affaires, quoi. C'est bien ça. Mais un jour, il faudrait bien que tu arrêtes et que tu songes à te marier. Tu n'y penses pas? Me marier, moi, Maëlle, à l'été, changer les couches du bébé, rester enfermée pendant des mois et des mois entre quatre murs, trop peu pour moi. Maëlle aime voyager. London, Amsterdam, Paris, Tokyo, Abidjan, Kinlabel, Sydney, Libreville, et j'en passe. Toi non plus, tu ne changeras jamais grand frère.
Toujours à courir après les jupons? Immigration Canada. Ils refusent de renouveler mon visa d'étudiant. Et ça signifie quoi au juste? Ça signifie que je vais devoir quitter le Canada. Bonne nouvelle! Comme ça, tu pourras venir avec nous à Paris. Tu sais, ça swing là-bas, hein? Je sais. Mais mon avenir est ici, à Montréal. Comme tu voudras. À qui ai-je l'honneur? Je suis Suzy. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Ah oui? Mm-hmm. De réputation. Quelle réputation? De mauvais payeur. On aura tout vu, hein? Moi, un mauvais payeur. Je ne suis jamais sortie avec des putes à Montréal. Mais qui vous a parlé de pute? Je suis la fille de Jacques. Jacques Perjure. Ah! Là, je vous suis mieux. Et moi qui vous croyais une pédale. Moi, un PD? Mm-hmm. On m'a dit qu'il y avait deux gars qui restaient ici. Hey, toi, du calme, hein? Monsieur est mon frère, c'est pas une tapette. Toi, la petite, on se calme. De toute façon, tapette ou pas, sœur ou amie, je suis venue ici pour l'argent. Les 1 800 $ que vous devez à mon papy. Alors, venez en fait, soldez. Pour qui elle se prend, celle-là? Mon papy, comment ça? Tiens. Cause toujours mon lapin. 100, 200, 300... Pas besoin de compter, il y a le compte. 21 600 $. Hé, hey, je lui donne juste 1 800 $ et non 20 000. Laisse faire. Au moins, tu as 3 ans de loyer d'avance ici. C'est comme ça que tu es peinard. Il faut être fou ou millionnaire pour faire ça. Au revoir. Elle me tape sur les nerfs, celle-là. Il se fait tard, Jacques. Convoitise te perdra, Jacques. Ah, je sais. Escroc. Il m'a roulé. Quoi? Ah! Voilà. Oh, le bandit est mis en réponse. Oui, allô, Mélanie? Oui, c'est Suzy. Oui, pareil, notre oiseau s'est envolé? Oui. OK. OK. OK, je te remercie. Parfait. Bye-bye. Bon, il n'y a pas de problème. Calmons-nous. Tout va bien. Son grand-père en Afrique est décédé. Il a donc pris l'avion.
Ben non, Papito, il est parti chez son oncle pour les funérailles. Mais Mélanie, elle va te donner l'adresse, là. Tant qu'à moi, je dois partir, j'ai des choses à faire. Bye, bye, bye. Bientôt. Bye bye. Bye. Bonne chance, là. OK. Bye. Bye bye, ma grande. Bye! 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 Jacques! Bye! Ah, t'es fou! Pose ça, Jacques! Papa, il est pas chargé, voyons. Moi, j'ai l'Interpol, j'ai la GRC au cul. La banque me l'a dit, il m'a passé des faux billets, on s'en va faire du safari. Bang, bang, bang! C'est qui, là? Je me calme pas, il n'y a pas d'affaire de calmer, c'est qui? Il n'y a pas d'affaire à m'asseoir, là, je vais le voir. Non, je vais le voir. OK. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça va servir? À quoi ça sert, ça? Hey, là! Y a-t-il encore de ça? Eux, ils sont trop de profil. Y bola vesera, y bola ya mune, mueve al ente.
Boudoutaka et Beberet. Vous vous croyez en Afrique ici? Eh bien, qui vivra verra. Et rira bien qui rira le dernier. Ni bala papa.